Oui, bah, je prie pour que la manifestation se passe bien, je prie pour le salut de la France, je prie pour les gens qui souffrent, pour les malades, pour les opprimés, pour les soldats, pour tout le monde. Il faut prier, il faut que la France redevienne chrétienne, je crois que c'est très important. En tout cas qu'elle redevienne spirituelle, j'appelle nos frères musulmans, nos frères juifs s'ils le peuvent, à prier pour nous, à prier pour le salut du monde. Je crois que ça va très mal, il faut que les gens ouvrent les yeux. On n'est plus qu'une poignée de gilets jaunes, c'est pas grave. Il y a un mouvement très profond, très spirituel qui anime ces gens. Et voilà, gardez la foi, tournez-vous vers le Seigneur, vous n'avez plus tellement le choix les amis. Malheureusement, j'ai peur que les jours soient comptés. Priez, mettez-vous en jeûne. Si vous voulez le bien de vos enfants, si vous voulez le bien de votre pays, le bien de vos familles. Et donc voilà, c'est il n'y a plus tellement d'options. Hein. Les gens qui vous dirigent sont des gens méchants, qui sont animés de mauvaises intentions, qui sont selon moi des serviteurs de Satan. Il faut que vous ouvriez les yeux sur ça. Le salut du pays passe par la prière, le salut passe par une prise de conscience massive. Les gens qui vous dirigent sont mauvais. Ce sont des gens qui vous mènent à votre perdition. Eux s'en moquent, ils croient qu'ils vont s'en tirer indemnes, mais ils se moquent de la mort de vos enfants. Ils se moquent que vos enfants périssent, par exemple, tombent malades à cause des vaccins. Il va falloir qu'on pose les vraies questions. Ils s'en moquent que les gens tombent malades à cause de la nourriture. Ils s'en moquent que les enfants se damnent parce qu'ils sont soumis à des images pornographiques dans les clips de musique. Tout va mal dans le pays. Je crois que si vous ne le comprenez pas, vous passez à côté de la réalité de votre existence. Il va falloir devenir spirituel. Sinon, ben, vous passerez à la moulinette. Je ne suis pas le prophète de la fin des temps, mais j'ai l'impression que ça commence à se rapprocher.